And also, I am speaking as a great man who is the conqueror of the British Empire. I wanted to confirm to you, I have liberated my country economically, and I am economically strong, and that is why I said I uprooted the British imperialism from Uganda, and Uganda is now free Africa. Par exemple, lorsque les Britanniques sont partis, bien sûr, ils nous ont laissé des structures, des systèmes, comme le système éducatif. Tout était en ordre, les routes étaient en bon état et on s'est dit que lorsque nous prendrions le contrôle de tout ça, on ferait beaucoup mieux que les Britanniques. Mais si vous regardez les routes maintenant, ça donne envie de pleurer. À l'instar d'Haïti, surnommée la perle des Antilles, l'Ouganda a été longtemps également surnommée la perle de l'Afrique par Winston Churchill, en vertu de sa beauté et de sa biodiversité. Mais comment la perle de l'Afrique est-elle devenue au bout de quelques années le terrain de jeu par excellence de dirigeants criminels, assassins, faisant par la même occasion des centaines de milliers de morts? De tous ces dirigeants aux réputations sulfureuses, le plus célèbre étant Idi Amin Dada, le despote, l'assassin, le criminel, l'idiot de service, tel est le vocabulaire qui est utilisé généralement dans les médias occidentaux et africains pour le décrire. Autant vous dire que de toute l'histoire de l'Afrique, aucun président africain n'a été autant décrédibilisé, hébété à travers les articles de journaux, à travers des documentaires et même au cinéma avec une telle intensité. Toutefois, en Ouganda jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains Ougandais estiment que Amin Dada est l'un des meilleurs présidents qu'ils ont eu à la tête de leur pays, si ce n'est le meilleur président. Qu'en est-il réellement? Quelle est l'histoire de l'Ouganda avant, pendant et après le règne d'Amin Dada? Asseyez-vous confortablement, prenez un petit verre de jus d'orange, plutôt un gros verre de jus d'orange. L'histoire de l'Ouganda et d'Amin Dada, c'est maintenant. Nous sommes au XVIIe siècle. L'actuel Ouganda est un territoire formé de plusieurs royaumes, dont le plus puissant est le royaume du Bunyoro-Kitara, qui borde les rives du lac Albert. Ce royaume est tellement puissant qu'il domine tous les royaumes aux alentours, en l'occurrence l'Ankolé, le Toro et le Buganda. Le tout-puissant royaume du Bunyoro est dirigé par une monarchie traditionnelle avec à sa tête un roi appelé Omukama. Le royaume se caractérise aussi par sa prospérité financière issue de l'agriculture et du commerce, faisant de lui le centre d'affaires par excellence de la sous-région. Mais comme je vous ai dit au début, il n'y avait pas que le Bunyoro-Kitara, il y avait également d'autres royaumes, dont le Buganda, qui n'envisageait pas d'être relégué pour toujours au rang de petit royaume. Il avait un projet, celui de devenir le royaume phare, le royaume le plus puissant. À cet effet, ils vont mettre tout un tas de techniques en place, de stratégies en place pour endiguer l'expansion du Bunyoro-Kitara, notamment en coupant les routes commerciales, étant donné que c'est le commerce qui faisait vraiment la prospérité du royaume. Mais, il faut le dire, les vrais problèmes qui ont causé la chute du Bunyoro-Kitara sont des problèmes propres au royaume en lui-même. En effet, il y a eu de nombreuses guerres de succession, de nombreuses guerres de clans à l'intérieur même du royaume, combinées aux tentatives du Buganda. Très vite au début du 19e siècle, le Buganda est devenu le royaume le plus puissant de tous les 4 royaumes que j'ai cités. C'est dans ce contexte que dès 1830-1840 arrivent les premiers étrangers sur le territoire qui équivaut à l'actuel Ouganda, on va dire. Ce sont des Arabes. Les Arabes vont arriver en tant que commerçants, ils vont commercer, on va dire, mais nombreux d'entre eux vont s'installer dans la région du Buganda. Ils vont venir avec leurs coutumes et leur religion. Donc de nombreux habitants du Buganda et d'autres royaumes aux alentours vont se convertir à l'islam. Mais à peine 20 ans plus tard, les premiers occidentaux vont arriver sur le territoire de l'actuel Ouganda. En effet, débarquent sur les terres de l'actuel Ouganda des explorateurs britanniques, dont le plus connu, Richard Francis Burton. Il sera suivi dans la foulée par d'autres explorateurs, mais surtout par des hommes armés et des missionnaires protestants et catholiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers l'arrivée des Britanniques, la mission était très claire. Coloniser les populations autochtones, mais surtout faire un projet qui allait se faire en plusieurs étapes. La première étape était de lancer un vaste projet d'évangélisation des populations autochtones, mais surtout d'endiguer l'évolution de l'islam à travers toutes les populations locales, il faut le dire. Donc dès cet instant, on va se retrouver dans une population qui avait une civilisation plutôt normale, qui fonctionnait avec ses couacs, ce qui est propre à toutes les civilisations. Mais dès l'arrivée des Arabes et des Occidentaux, la population de l'actuel Ouganda va se disloquer. Il y aura un vrai clivage religieux. On retrouvera d'un côté les musulmans, d'un côté les catholiques, de l'autre côté les protestants et les animistes. Et ce clivage sera très déterminant dans les problèmes que l'Ouganda va rencontrer dans un futur très proche, il faut le dire. L'ex-puissant royaume du Bunyoro-Kitara, ayant peur que le Buganda l'attaque, va signer un accord de protection avec les Britanniques. Alors, je ne dis pas que c'est la cause même de la colonisation, je dis que c'est une des portes d'entrée des Britanniques dans l'écosystème ougandais, ce qui va devenir la colonisation. Parce qu'à travers ces fameux accords de protection, vous savez très bien si vous regardez mes vidéos que les accords de protection, les protectorats, tout ce qui va avec, c'est tout un outillage qui est amené pour pouvoir favoriser la colonisation. Quoi qu'il en soit, les Anglais vont s'installer définitivement là, vont étaler leur emprise sur le royaume, vont les coloniser, et cette colonisation va de pair avec des exactions, des viols, des meurtres, des pillages, des villages saccagés, bref, tout ce qui va avec la colonisation. Mais si vous êtes habitué également des vidéos qui sortent sur la chaîne, vous savez très bien que, en tout cas en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, la colonisation vient souvent avec un certain nombre d'outils, notamment la privatisation des territoires. En effet, de nombreuses parties du territoire ougandais vont être confiées à des sociétés privées, comme ça a été fait au Congo, comme ça a été fait à Oubangui-Chari, l'actuelle Centrafrique. En l'espèce, c'est la compagnie britannique impériale d'Afrique de l'Est qui aura le contrôle de la région, mais aussi du Kenya voisin. Mais au soir des années 1897, tous les royaumes placés sous l'occupation britannique s'uniront comme un seul homme pour combattre la dite occupation. Cette révolte sera matée dans le sang, ce qui aboutira à la signature d'un protectorat britannique sur tous les 4 royaumes. Au sortir de ce fameux protectorat et de tous ces remous, tous ces royaumes sont unifiés sous le nom de Ouganda. Le pays Ouganda est né, si vous voulez. Et dès cet instant, il faut comprendre que les vrais problèmes du pays allaient commencer. Le premier fait en date est le suivant. Les Anglais arrivent, ils veulent exploiter, ils veulent piller, ils veulent voler les richesses du pays, mais pour cela, il faut trouver des voies d'acheminement. Ils vont donc décider de la construction d'un chemin de fer qui part de Mombasa vers Kampala. Pour la construction de ce chemin de fer, ils vont faire venir près de 40 000 Indiens sur le territoire ougandais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Inde a longtemps été un protectorat britannique. Et dans une manœuvre malsaine de séduction assez géopolitique incompréhensible, que eux seuls comprennent, ils ont fait venir beaucoup d'Indiens sur le territoire ougandais dans ce fameux projet de chemin de fer. Je veux vraiment que vous preniez conscience de la situation. Vous avez une civilisation qui marchait correctement, qui avait son économie, qui avait ses aspects sociaux, qui avait ses couacs propres à cette civilisation. Vous avez les Arabes qui sont arrivés avec leur religion islamique. Vous avez les Occidentaux qui sont arrivés avec le catholicisme et la religion protestante. Et là maintenant, on ajoute également des Indiens. Autant vous dire que le pays allait être vraiment une poudrière identitaire à ciel ouvert. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Il faut comprendre une chose, c'est que les Britanniques vont déconstruire toute l'hégémonie, toute la structure sociale de ce pays qui marchait, on va dire, du tonnerre, il faut le dire. Parce que lorsqu'ils arrivent, dans les premiers temps, ils décident de s'agréger au Buganda, étant le royaume le plus puissant. Ils vont donc moderniser un peu plus cette région, ils vont un peu plus scolariser ces gens, ils vont estimer que ceux-là sont un peu plus beaux, un peu plus intelligents. Sauf que le royaume du Buganda n'envisage pas de devenir des valets à la botte des Britanniques. Et ça, les Britanniques l'ont compris. Ils se disent quoi? Le Buganda a le pouvoir économique ou le pouvoir politique. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en place la création d'une armée. Et cette armée sera recrutée essentiellement dans le nord du pays, parce que le Buganda n'est pas dans le nord du pays. Pourquoi? Le but est très simple. Si le Buganda a le pouvoir économique et politique, il faut tout faire pour ne pas qu'ils aient le pouvoir militaire. Et c'est un projet, c'est une manœuvre très très sombre. Diviser pour mieux régner. Un peu comme on a fait au Rwanda. Mais bref, le choix des nordistes pour travailler dans l'armée a une autre motivation beaucoup plus sombre qu'on verra dans la suite de la vidéo. Mais ça, c'est un facteur. L'autre facteur, c'est que ils arrivent. Le pays a pour secteur d'activité vraiment phare, c'est l'agriculture, au bout duquel on fait du commerce. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont transformer les chefs du royaume en chefs fonciers. On va donc exproprier les petits paysans de leurs terres qu'on va confier aux chefs. Les paysans vont donc manifester et avoir gain de cause. On va leur redonner leurs terres, d'autant plus que l'agriculture va faire de l'Ouganda vraiment un pays important dans la sous-région, parce que ce sera un véritable vivrier pour beaucoup de pays. En plus de cela, l'Ouganda va cultiver le coton et le café. Donc, clairement, l'agriculture, c'est vraiment le secteur d'activité qui était au cœur de tout le succès de ce petit pays, on va dire. En tout cas, petit pays à mes yeux, on va dire. Mais ce qui se passe, c'est que les Britanniques vont encore mettre en place une pyramide sociale assez malsaine, on va dire. Là, on se retrouve avec des chefs de royaume qui constituent l'aristocratie locale. Vous avez également les Anglais qui seront au-dessus de la pyramide avec le contrôle de tout ce qui est industrie, de tout ce qui est secteur vraiment porteur en termes de finances. Mais en dépit de tout ça, les Anglais vont donner aux Indiens le contrôle du commerce du pays. C'est-à-dire que ce sont les Indiens qui vont contrôler tout ce qui est export de marchandises, export de matières premières. Ce sont également les Indiens qui vont contrôler la vente et la commercialisation de produits importés. Et en bas de l'échelle, vous avez les Ougandais qui doivent se démener avec une petite agriculture. Parce que là, vous pouvez me dire, avant l'arrivée des Anglais, ils pratiquaient leur petite agriculture. Où est le problème? Le problème, c'est que on a déconstruit une société qui fonctionnait de telle sorte que un petit agriculteur s'en sortait. On l'a déconstruite. Pire encore, c'est qu'on a diminué les revenus des paysans. Donc, vous vous retrouvez avec les rares Ougandais riches qui viennent des familles royales, des Indiens qui sont plutôt aisés, des Anglais qui sont très aisés, et en bas de l'échelle, les autochtones ougandais qui triment pour pouvoir joindre les deux bouts. Voilà la situation qui prévalait. Et cette situation va perdurer jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale finisse en 1945, et comme dans de nombreux pays, il y aura l'avènement d'une nouvelle classe d'intellectuels qui vont faire pieds et mains pour pouvoir aboutir à l'indépendance. Vont donc survenir de nombreuses tractations, de nombreuses négociations au bout desquelles on décide qu'il y aura des élections qui vont être organisées. Mais un véritable problème se pose. Même la constitution des partis politiques est fondée sur des critères religieux, des critères ethniques. Vous avez des partis politiques d'obédience catholique, des partis politiques d'obédience protestante, et vous avez des partis politiques qui sont clairement des partis ethniques, dont des pratiques bougandais. Et c'est la réalité qui était là. Donc, politiquement déjà, le pays était enclin à être dans un clivage vraiment très compliqué, ce qui va constituer une classe politique très hétéroclite. Dès 1961, des élections sont donc organisées. Le Democratic Party, d'obédience catholique, l'emporte, faisant de son leader, Benedicto Kiwanuka, le premier chef de gouvernement autonome d'Ouganda. Mais aux élections de 1962, volte-face, changement de situation, remontada. Deux partis politiques qui n'ont absolument rien à voir d'un point de vue idéologique. Deux partis politiques qui sont censés même se faire la guerre vont s'allier dans le cadre de ces élections. En effet, l'Uganda People Congress, UPC, dirigé par un certain Milton Obote, s'allie avec le Kabaka Yeka, le parti politique du Kabaka Mutesa II, roi du Buganda. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais il est important quand même de rappeler que dans le royaume du Buganda, les rois sont appelés les Kabaka. Les habitants du Buganda sont appelés les Baganda. Donc cette alliance-là entre ce parti politique purement bougandais et un autre parti politique vont permettre à Milton Obote d'avoir la majorité parlementaire et de devenir le premier ministre qui allait conduire le pays à son indépendance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux leaders de ces partis qui sont alliés, en l'occurrence Milton Obote et le Kabaka Edward Mutesa II, c'est une alliance qui paraît peut-être technique, mais intrinsèquement, ces deux hommes sont diamétralement opposés. Vous avez le Kabaka Edward Mutesa II qui, lui, est un pur conservateur. Déjà, il ne voulait même pas qu'il y ait une assimilation entre le royaume du Buganda et les autres royaumes du pays. Premier point. Deuxième point, il ne voulait pas également qu'il y ait une certaine alliance, un consortium de pays entre l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya, un projet qui avait été proposé d'ailleurs par les Britanniques. De l'autre côté, vous avez Milton Obote, qui sur le papier est un panafricain, avait une certaine ouverture. Donc, ces deux visions qui vont devoir cohabiter. Et croyez-moi que ça ne va pas forcément marcher. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte que survint l'indépendance en octobre 1962. l'indépendance du pays est proclamée, sauf qu'en coulisses se prépare une guerre de leadership hyper sombre qui va plonger le pays dans un long cauchemar. Le poste de gouverneur général occupé depuis par un Britannique du nom de Walter Coote est désormais confié au président élu par le Parlement. Le roi Mutesa II accède au poste honorifique de président, tandis que Obote reste Premier ministre. Donc comme vous l'avez compris, Obote est Premier ministre, c'est lui qui a vraiment les pouvoirs, et Mutesa II est président d'une façon honorifique. On décide également que l'Ouganda est un État fédéral. Mais à peine 3 ans plus tard, en mars 1966, Obote renverse le président, Edward Mutesa, et devient le président. Dans la foulée, il vote une loi qui fait que l'Ouganda n'est plus un État fédéral. Il a désormais tous les pouvoirs. Milton Obote est désormais le président de l'Ouganda. Avant de s'intéresser vraiment au règne de Milton Obote, voir ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, il est très important de comprendre comment il a fait pour devenir président. Pourquoi il a renversé Edward Mutesa, avec qui il s'était allié pour arriver là où il est. Ce qui est vraiment assez incompréhensible. Mais on va essayer de décortiquer tout ça et vous verrez que ce sont vraiment les néandres de la politique. Le problème, c'est que Obote, à peine 1 an après sa prise de fonction en tant que Premier ministre, sera confronté à son premier défi majeur, une mutinerie. Nous sommes à Jinja, deuxième ville du pays où se trouve la plus grande caserne, lieu de départ de la dite mutinerie. Les soldats du 1er bataillon de l'armée ougandaise se sont mutinés pour faire pression afin d'exiger l'augmentation de leur salaire et l'africanisation de l'armée. Pour faire simple, dans l'armée ougandaise, les Ougandais autochtones avaient des salaires misérables. Pire, ils n'avaient pas la possibilité d'accéder à des postes de haute responsabilité au sein de l'armée. Donc, ils étaient bridés, ils n'avaient pas de possibilité d'évolution et ils avaient des salaires minables. Ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont commencer donc une mutinerie, ils vont arrêter tous les officiers et les chefs britanniques au sein de l'armée, mais ils vont également arrêter le ministre de l'Intérieur qui a été envoyé pour négocier, M. Félix Onama. Dans ce contexte donc, Milton Obote se rend compte que la situation est très délétère, d'autant plus que dans les pays aux environs, la Tanzanie, le Kenya et bien d'autres, il y a eu le même problème. Et dans ces pays, on a eu recours à l'armée britannique pour venir mater ces mutineries ou ces rébellions. Ce que Milton Obote va faire, c'est qu'il va appeler l'armée britannique en renfort. Ils vont envoyer pratiquement 450 soldats. Et ces 450 soldats-là vont entourer la caserne. Et très très vite, les mutiniers seront arrêtés. D'autres seront écartés de l'armée. Mais ce n'est pas la même fin que dans les autres pays aux alentours. Dans ce cas-là, certes, la mutinerie a été endiguée, mais Milton Obote va doubler le salaire des soldats. Il va permettre même à des soldats autochtones d'avoir une promotion, d'accéder à des postes de haute importance. Et parmi ces soldats promus, il y a un certain Idi Amin Dada. Il deviendra commandant adjoint de l'armée ougandaise. Détail très très important. Mais il y a également un facteur très important à préciser. Je vous avais dit ici que l'armée ougandaise, durant la période de la colonisation en tout cas, les Britanniques choisissaient les membres de l'armée au nord du pays. Idi Amin Dada vient du nord du pays. Milton Obote vient du nord du pays. Dès cet instant, vous vous retrouvez dans un système qui va continuer. On va donc continuer à recruter des soldats qui viennent majoritairement du nord du pays. Et l'effectif de l'armée va croître de façon exponentielle. Entre 1962 et 1970 par là, 67 par là, l'effectif va passer de pratiquement 1000 hommes à pratiquement 6000 hommes. Et ce recrutement est effectué essentiellement par Amin Dada. Amin Dada va recruter ses hommes non pas seulement au nord, mais pour la plupart dans sa région natale. Et ça, c'est très important pour la suite des événements. Vous allez comprendre que ce détail est très très important. Mais revenons à notre histoire. Le président Edward Mutesa est inquiet parce qu'il comprend que l'armée est en train de se nordifier, je ne sais pas si c'est du français, mais l'armée est en train vraiment de prendre une tournure très ethnique. Et ce n'est pas rassurant pour la suite des événements. Et ça, il va le faire comprendre. Mais le fait majeur qui va enclencher ce coup d'État, si je peux m'exprimer ainsi, et la dégradation de la situation entre lui et Milton Obote, c'est le Gold Case, l'affaire de l'or. Le 16 mars 1965, le député ougandais Daudi Ocheng dépose une plainte au Parlement contre les cadres de l'armée et du gouvernement. En effet, Idi Amin Dada, désormais colonel, Milton Obote, premier ministre, et le ministre de l'Intérieur, Félix Onama, pour ne citer que ceux-ci, auraient illégalement détourné de l'or, de l'ivoire et de l'argent liquide venant de la RDC. Bon, la RDC, le piège de la RDC, ça ne date pas de maintenant. Bref, ça, on y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, on demande à ce que une enquête soit ouverte et Milton Obote fait clairement preuve de mauvaise foi. Il met des bâtons dans les roues, il empêche l'évolution de l'enquête et le roi Mutesa avec les membres du Parlement vont demander à ce que Idi Amin Dada soit arrêté. Dès cet instant, Milton Obote se sent menacé et ce qui va se passer, c'est que, renversement de situation, le président Mutesa II est renversé. Milton Obote devient président. Le Parlement, si vous voulez, est dissous, la Constitution est changée. Milton Obote a désormais tous les pouvoirs. Il est désormais président. Son acolyte Amin Dada prend du galon. Il va même occuper un plus haut poste au sein de l'armée. Et là, vous avez un tandem machiavélique qui va s'évertuer à semer la terreur au sein du pays. Alors, je m'explique. Vous vous souvenez qu'il y a eu la mutinerie? Au sorti de la mutinerie, les soldats ont eu de l'argent, ont eu une augmentation, ont eu des promotions. Mais le détail important, c'est que, dès cet instant, l'armée va devenir un acteur majeur des décisions politiques et de la vie politique ougandaise. Et ça, Milton Obote en était conscient, parce qu'il avait, enfin, il croyait avoir l'armée à sa botte. Et il utilisait l'armée pour pouvoir perpétrer toutes sortes d'exactions, d'assassinats, d'éliminations, de tortures, tout ce que vous pouvez imaginer de sombre. Et toutes ces actions étaient menées avec un homme à la tête, Idi Amin Dada. Je rappelle qu'à cette période déjà, Idi Amin Dada était un criminel hors pair, certifié, reconnu, ISO 9450, tout ce que vous voulez. C'était un gros criminel déjà à ce moment de l'histoire. Quoi qu'il en soit, Milton Obote dirige le pays d'une main de fer. Il tue, il arrête des gens, met des gens en prison. Il élimine des civils ou des opposants gênants, le tout grâce à son bras droit, Idi Amin Dada. Pire, les commerçants indiens vont faire l'objet de menaces, d'exactions, on va dire. Tout ça au vu et au su de la Grande-Bretagne et d'Israël. Je dis bien au vu et au su de la Grande-Bretagne et d'Israël. Déjà à cette époque, les Indiens étaient persécutés. Israël et la Grande-Bretagne n'ont pas voulu parler parce que ça ne les dérangeait pas, parce qu'ils s'en foutent, parce que le plus important, c'était que Milton Obote pérennise leurs intérêts parce qu'ils avaient des relations, on va dire, idylliques. Sauf que Milton Obote fera une erreur. En 1967-68, il va commencer à prendre un virage vers le socialisme, avec son fameux socialisme à 60%, où il a commencé à nationaliser de nombreuses sociétés privées à 60%, dont des sociétés anglaises, dont des sociétés israéliennes, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, ça va déplaire au plus haut point aux Britanniques et aux Israéliens. Dès cet instant, Milton Obote commence déjà à être dans le collimateur de ces deux pays que j'ai cités. Pire, on lui soupçonnerait une certaine accointance avec le bloc de l'Est. Je vous rappelle quand même qu'on est en 1967, 68, 69 par là, en pleine guerre froide. Quand on voulait éliminer un président, on faisait croire souvent qu'il était communiste, ou souvent il était réellement communiste, mais en tout cas c'était un motif valable pour pouvoir l'éliminer. Et dès qu'on parlait de communisme, on parlait des États-Unis. Les États-Unis vont se joindre donc à la partie. Il va falloir très vite éliminer Milton Obote de l'équation. Et là, vous devez vous demander, mais pourquoi l'Ouganda intéresse autant? En fait, l'Ouganda, de par sa situation géographique, était un pays ô combien stratégique. L'Ouganda est à la frontière quand même de l'Afrique, majoritairement musulmane au nord, et l'Afrique majoritairement chrétienne au sud. Premier point. L'Ouganda est le dernier rempart avant le richissime Congo. Donc, il faut absolument qu'on ait à la tête de ce pays un président complaisant. Parce que si le bloc de l'Est arrive à mettre la main sur la RDC, on est dans un véritable problème. Vous avez vu comment Patrice Lumumba a été éliminé pour des supposées tentatives de rapprochement avec le bloc de l'Est. C'était vraiment très important à cette époque. Donc, on décide donc de fomenter un plan pour pouvoir écarter Milton Obote du pouvoir. Mais pour ce faire, il faut trouver un remplaçant. Et très très vite, le choix se porte sur Idi Amin Dada, qui, selon les Occidentaux, serait un homme qui est docile, qui exécute, qui n'est pas forcément très intelligent et qui serait malléable. Donc le choix est porté sur lui. Je dis bien du point de vue des Occidentaux. Attention. Donc, le choix est fait sur Amin Dada. Le 19 décembre 1969, une tentative d'assassinat à l'encontre de Milton Obote est déjouée. Un certain Mohamed Sebadouka tire sur le président. La balle le blesse à la joue. Le pistolet de Mohamed s'enraye et un deuxième assassin du nom de Yohama Wamal lance une grenade qui n'explose pas. Bon, vous avez compris que Milton Obote, je pense qu'il avait des pratiques quelque peu... Voilà. Quoi qu'il en soit, on n'arrive pas à l'assassiner. Et là, très très vite, des soupçons commencent à naître vers Amin Dada. D'autant plus qu'un des hauts gradés de l'armée, le numéro 2 de l'armée si je ne me trompe pas, va dire à Milton Obote qu'il semble avoir le nom de la personne qui est derrière tout ça. Il commence donc une enquête, sauf que le 25 janvier 1970, Oyoka et son épouse sont assassinés à leur domicile. Les relations entre Amin Dada et Milton Obote, qui ont tous deux assassiné des gens, qui ont tous deux exécuté des gens, vont finalement se détériorer. Amin Dada sera assigné à résidence, on va lui enlever certains pouvoirs au sein de l'armée, et là, Milton Obote se sent menacé, d'autant plus qu'il va faire l'objet d'une seconde tentative d'assassinat. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va approcher les Israéliens pour qu'ils mettent en place une garde présidentielle pour le protéger. Ce qu'il oublie, c'est que, il ignore, c'est que les Israéliens sont ceux-là même qui sont derrière des potentielles tentatives d'assassinat et de destitution à son encontre. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans ce contexte, la situation entre Amin Dada et Milton Obote est très très tendue. C'est dans ce contexte donc que le 25 janvier 1971, Milton Obote, assez naïvement d'ailleurs, va décider de se rendre à un sommet du Commonwealth à Singapour. Dès qu'il décolle et qu'il arrive là-bas, il fait son sommet et quand il veut revenir, il apprend que M. Idi Amin Dada a pris le pouvoir et est désormais le nouveau président de l'Ouganda. Bon, vous l'avez compris, on ne peut pas décider d'être président si on n'a pas de soutien. En fait, Amin Dada avait le soutien de l'armée, comme je l'ai dit. Tous les gens qu'il a recrutés étaient majoritairement redevables, voire reconnaissants, ou c'est lui qui reconnaissait en tant que leader. Donc, ils vont l'aider pour arriver au pouvoir. Mieux encore, c'est qu'il y avait des soldats israéliens sur le territoire ougandais qui ont aidé Amin Dada à accomplir sa bonne ou sa sale besogne, en tout cas à devenir président. Je veux vraiment que vous compreniez une chose. Amin Dada était un assassin, déjà depuis les années 50. On verra dans la suite de l'histoire. Amin Dada, sous Milton Obote, était un assassin. Les Israéliens et les Britanniques ont, malgré tout ça, aidé ce monsieur à devenir le président de l'Ouganda parce que l'autre assassin ne faisait plus leur affaire. C'est très important de comprendre pour la suite de l'histoire. Enfin, quoi qu'il en soit, Amin Dada est désormais le président de l'Ouganda. Mais avant de continuer, je pense probablement que vous avez remarqué une présence inhabituelle d'Israël dans cette histoire. Parce que de toutes les histoires africaines que je vous raconte, Israël n'est pas forcément beaucoup évoqué. Même quand ils sont évoqués, c'est pour des ventes d'armes, c'est pour des transactions spontanées, sporadiques. Mais là, ils occupent une grosse place. La raison officielle est que, comme vous le savez, il y a eu la guerre de 6 jours, où l'Égypte a été impliquée, où la Jordanie a été impliquée, où Israël a gagné. Et donc, Israël veillait vraiment à ce que la zone nord-africaine soit quand même surveillée et que les envies islamistes ne se propagent pas, en tout cas, sur le continent africain et d'autres régions. De ce fait, il y avait au Soudan voisin un conflit entre le Soudan, dirigé par le président musulman, et les rebelles soudanais chrétiens. À cet effet, Israël va pendant longtemps financer l'armée ougandaise. En échange, l'armée ougandaise devra soutenir cette rébellion chrétienne. Donc la version officielle, c'est que Israël veillait à ce que cette pensée islamiste, cette pensée anti-israélienne ne se propage pas sur le continent. Pourquoi pas? Mais la vraie raison est beaucoup plus technique. Je ne vais pas paraphraser, je ne vais pas me lancer dans des... Je vais juste vous mettre un extrait d'un document et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est une page de l'histoire qui reste assez méconnue. Nous sommes au début des années 1900. Théodore Herzl, journaliste juif, père du sionisme moderne, s'active depuis des années pour obtenir au Proche-Orient une terre susceptible d'accueillir les populations juives. Dès lors, en tant que président de l'organisation sioniste mondiale, il multiplie les contacts diplomatiques. Mais il doit faire face à un refus catégorique du sultan de l'Empire ottoman, dont la Palestine fait partie. Une première fois en 1898, puis à nouveau en 1902. Cette année-là, il rencontre aussi Joseph Chamberlain, espérant se voir octroyer une partie du Sinaï égyptien, territoire sous tutelle britannique. Sauf que Londres n'entend pas la céder. Pour Théodore Herzl, cette obsession de trouver un foyer au peuple juif tourne à l'urgence. Au vu du climat antisémite qui pèse en Europe, avec l'affaire Dreyfus notamment, et la multiplication des pogroms en Russie. C'est alors qu'au printemps de l'année 1903, Joseph Chamberlain, le ministre britannique des colonies, lui fait une offre. La couronne britannique propose d'établir un foyer national juif sur une partie de son protectorat d'Ouganda, qui couvre alors l'ensemble de l'Ouganda et une partie du Kenya actuel. C'est lors du 6e congrès sioniste en août 1903 qu'il soumet cette idée. Une idée d'abord accueillie avec enthousiasme, mais une opposition émerge vite du côté des délégués russes, pourtant les premières victimes des pogroms. Ils refusent un État juif ailleurs que sur la terre biblique. Les querelles et les divisions s'installent au sein de l'organisation. C'est dans cette atmosphère délétère que Théodore Herzl meurt le 3 juillet 1904, des suites d'une bronchite et surtout d'épuisement. Les attaques dont il fait l'objet l'ont terriblement affecté. Chez les défenseurs de la cause sioniste, sa disparition provoque un effroi collectif. Et l'idée d'un État juif en Ouganda disparaît avec lui. 44 ans après sa mort, le 14 mai 1948, à près de 5000 km de l'Ouganda, David Ben-Gourion proclame la création de l'État d'Israël. C'est bon, vous avez compris, je ne fais pas de commentaires. Je pense que vous avez compris. Maintenant, une fois que ça c'est compris, on va s'intéresser maintenant à Amin Dada président. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut réellement? Alors, avant même de parler de son régime, il faut s'intéresser au parcours du monsieur. Parce que ça mérite vraiment une petite pause, un petit résumé, pour que vous puissiez comprendre vraiment le personnage qu'on avait en face. Né au nord-ouest du pays, plus précisément à Kobobo, Amin Dada connaît une enfance sans figure paternelle. Sa mère est spécialisée en plantes médicinales et en pratiques chamaniques. Amin Dada n'a quasiment pas été scolarisé, mais il vient d'une région qui est réputée pour avoir des soldats, des hommes qui sont forts, des soldats impitoyables. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Nubiens, comme on les appelle de façon péjorative à travers le pays, sont des hommes qui sont forts physiquement, qui ont une force incroyable, qui sont réputés être de très bons soldats, mais ils n'ont pas eu la chance d'être scolarisés. En tout cas, quand les Britanniques sont arrivés, ils ont préféré privilégier la région du Buganda. Donc, ces hommes ne sont pas forcément scolarisés, ce qui fait que leur capacité d'analyse n'est pas forcément la plus pointue, on va dire. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un n'est pas scolarisé, il n'a pas de capacité d'analyse. Attention, je vais dire que d'une façon générale, les Britanniques adoraient ce profil-là parce qu'au fond, ils allaient agir de façon bête et méchante sans forcément avoir le recul ou l'analyse critique, on va dire. Amin Dada en est l'exemple parfait parce que c'est quand même un colosse de pratiquement 2 mètres, de plus de 100 kilos, qui a été 9 fois champion de boxe dans son pays. Donc c'est une force brute de la nature. Et il avait la réputation d'être un homme qui était fort, zélé, impitoyable, docile. Et ça, les Anglais appréciaient ça énormément. Ce sont d'ailleurs ces critères-là qui vont faire qu'il sera recruté au sein de la King's African Rifle. Alors qu'est-ce que c'est la King's African Rifle? La King's African Rifle est un régiment colonial britannique composé de plusieurs bataillons levés à partir de diverses possessions anglaises d'Afrique de l'Est de 1902 jusqu'aux indépendances en 1960. On trouvait dans les King's African Rifle des Tanzaniens, des Kenyans, des Ougandais, bref, tout un tas de pays d'Afrique de l'Est. Donc Amin Dada est recruté au sein de ce bataillon ou de cette milice. Il commence en tant que cuisinier, mais avec ce physique de colosse, cette force brute, très très vite il sera recruté. Et son premier fait d'âme le plus triste, c'est en 1952, au Kenya, il y a eu la révolte des Momo. Distingué par une cruauté sans égale, par une impitoyabilité sans égale. Ce sera son premier fait d'âme. Vraiment, il va faire du sale, comme on dit, dans les cités ou en région parisienne, bref, ce que vous pouvez imaginer. Il y aura également un autre fait. En 1962, si je ne me trompe pas, la révolte des Karamajong. Les Karamajong, ce sont des populations ougandaises qui vont également révolter pour tout un tas de motifs. Et Amin Dada sera envoyé, celui qui va diriger les opérations. Et une fois là-bas, il va commettre des actes que je ne peux pas vous décrire ici. Des actes d'une cruauté sans égale. Des actes d'humiliation. Certains prêtres seront déshabillés, l'appareil génital mis sur une table avec la menace d'être flagellés. Bref, tout un tas de procédures, d'actes qui ont... On a du mal à croire que ça vient du cerveau d'un être humain. Amin Dada va poser tous ces actes. Au sorti de tous ces actes, il va même éviter de peu la cour martiale. Mais comme par hasard, les Britanniques vont le soutenir, lui évitant ainsi de passer à la cour martiale. D'autant plus que nous sommes à l'aube des indépendances, donc on ne veut pas faire de remous. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Amin Dada, on lui a appris à tuer. Qui lui a appris à tuer? Les Britanniques. Ses premières missions meurtrières, c'était pour le compte des Britanniques. À chaque fois qu'il tuait et qu'on voulait l'inquiéter, qu'on voulait l'arrêter, les Britanniques l'ont protégé. Quand il a fallu écarter un homme qui n'était plus en hôtel de sainteté avec eux, les Britanniques ont décidé de faire de Amin Dada, le criminel, le président qui allait faire leurs affaires. Je veux vraiment que vous compreniez que tout ce qu'on dit souvent dans la presse, souvent, c'est du pipeau. L'intérêt des Ougandais n'était en aucun cas une priorité pour les Britanniques. L'intérêt des Indiens n'était en aucun cas une priorité pour les Britanniques. Le seul intérêt des Britanniques et des Israéliens était le fait qu'ils aient un président qui soit à leur botte, un président qui soit complaisant. C'est l'histoire des relations occidentales africaines, c'est l'histoire des relations de la France-Afrique, de toutes ces entités, de pestiférés là qui viennent salir le bien-être des Africains. Vraiment, il faut vraiment que vous compreniez que ces relations sont rarement saines. Mais bref, on va arrêter de divaguer, continuons notre histoire. Amin Dada ne s'est pas arrêté là. Il faut comprendre que lorsqu'il y a eu le coup d'état de 1966, et que le roi Edward Mutesa a été renversé, qu'il a été contraint d'aller en exil en Angleterre, les habitants du Buganda ont commencé une manifestation. Lorsqu'ils ont commencé cette manifestation, Milton Obote a ordonné à l'armée ougandaise d'aller mater cette manifestation. À la tête de cet escadron, il y avait qui? Idi Amin Dada, qui a encore fait du sale. Le tout avec la bénédiction, la protection des Israéliens et des Britanniques qui fermaient les yeux sur toutes ces exactions. Mais bon, 1971, Amin Dada est devenu président. Qu'en est-il réellement? C'est ça la vraie question. Parce que depuis je parle, il faut qu'on voit intrinsèquement qu'est-ce que ça vaut. Amin Dada arrive au pouvoir et vous n'allez pas le croire. Hein. Dans la presse internationale, c'est assez bien accueilli. Hein. Les Britanniques se félicitent, c'est un bon gars. Dans la presse israélienne, tout le monde est content, tout le monde se félicite. La population est contente parce qu'on se débarrasse quand même d'un assassin. Il faut le préciser, Milton Obote était un assassin. Tout le monde est content. Amin Dada promet d'organiser des élections dans les mois qui arrivent. C'est parfait. Amin Dada promet de rester dans le Commonwealth. Alors, c'est encore plus parfait. Amin Dada, au vu de ses premières actions, donne l'impression de vouloir être vraiment assez fidèle à ceux qui l'ont poussé, qui l'ont encouragé à venir au pouvoir. Donc, sur la feuille, tout paraît coché au vert, tout va bien. Sauf que, à peine arrivé au pouvoir, Amin Dada va commencer une purge, un nettoyage. Tous les officiers de l'armée, tous les civils, tous les partisans de Milton Obote seront arrêtés, exécutés, assassinés. Mais toutes les exactions d'Amin Dada iront bien au-delà de l'aspect militaire ou de l'appartenance politique. Amin Dada va commencer à perpétrer des exactions contre les Acholi et les Lango, des groupes ethniques auxquels appartiendrait Milton Obote. Ils seront arrêtés, exécutés pour certains. Je parle quand même d'exécution sur le simple fait que des gens appartiennent à un groupe ethnique ou que des gens seraient potentiellement enclins à être beaucoup plus complaisants vis-à-vis de quelqu'un qui soit mon ennemi. Amin Dada a perpétré des assassinats, des meurtres dès son arrivée au pouvoir. Juillet 1971. Ok? Et là, vous devez vous demander, mais Milton Obote, il est où dans ça? Milton Obote s'est exilé en Tanzanie, pays voisin. Et de là-bas, il a tenté en janvier 1972, un retour avec une invasion militaire qui s'est soldée par un échec. À partir de ça, Amin Dada a commencé une autre purge. Mais les Acholi et les Lango ont payé le prix cher. Ils ont été massacrés, certains ont été tués à la dynamite, certains ont été exécutés. Bref, c'est parti dans tous les sens. Je dis bien tous les sens. Mais Amin Dada ne s'est pas arrêté là. C'est qu'il s'est rendu compte également que les plus à craindre n'étaient pas forcément les policiers, les militaires, des civils. C'était aussi la classe, l'élite, la classe intellectuelle, les têtes pensantes. Dès cet instant, les têtes pensantes également du pays allaient payer le prix fort. L'exemple le plus tangible est le cas de M. Franck Kalimouzo. Franck Kalimouzo était le vice-chancelier de l'université de Mekere. Grand intellectuel, il a été nommé par Milton Obote en 1970. Quand Amin Dada arrive au pouvoir, les deux entretiennent des relations plutôt cordiales. Amin Dada va même manger chez Franck Kalimouzo. Mais en 1972, un professeur et conférencier jeune va écrire un manuscrit qui sera très critique à l'encontre du régime autoritaire de Amin Dada. Ce monsieur s'appelait monsieur Kaninyemba et son manuscrit sera publié dans un journal local et très vite, il va s'attirer les foudres du régime d'Amin Dada. Donc Franck Kalimouzo va lui conseiller de fuir et de s'exiler. Lui va préférer rester sur le territoire parce qu'il estime qu'il n'a rien fait. Dès cet instant, il sera arrêté, on n'aura plus de nouvelles de lui jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bref, vous avez compris qu'il a été assassiné. Vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un monsieur qui a été le premier dirigeant de l'Ouganda en 1962, monsieur Benedicto Kiwanuka. Ce monsieur a été le premier dirigeant du pays, mais quand Milton Obote arrive au pouvoir, il a mis ce dernier en prison. Quand Amin Dada arrive au pouvoir, il a libéré ce dernier, il en a même fait le chef de la Cour suprême du pays. Sauf que ce dernier s'est mis à critiquer les exactions, le régime autoritaire d'Amin Dada. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a arrêté, on l'a torturé, puis on l'a assassiné sur ordre d'Amin Dada. Amin Dada avait instauré un climat de terreur tellement lourd que lorsqu'il y avait une coupure de courant dans le pays, la rumeur circulait selon laquelle les turbines du barrage étaient bloquées par les cadavres qui avaient été jetés par le coup dans le coup d'eau. Parce qu'il faut préciser, c'est peut-être exagéré, mais Amin Dada jetait les dépouilles des personnes qui l'assassinaient dans le coup d'eau. Pire, c'est qu'il avait des crocodiles qu'il affectionnait, qui étaient dans ce coup d'eau-là, qui, semble-t-il, refusaient même de manger les dépouilles tellement ils en avaient. Était-ce vrai? Était-ce faux? Je pense que c'est un peu exagéré. Mais bon, la réalité est que ce monsieur était un assassin. Et ça, c'est indéniable. Mais jusque-là, Amin Dada avait la protection, la validation d'Israël et de la Grande-Bretagne. Ça peut choquer, hein? Mais jusque-là, il avait leur validation. Mais comme dans toutes les histoires, France-Afrique, États-Unis-Afrique, patati patata Afrique, on a assisté à un revirement de situation, une remontada, une chamboulada, tout ce que vous pouvez imaginer. On est parti dans un scénario digne d'une télénovela brésilienne. Les relations idylliques entre Amin Dada, la Grande-Bretagne, Israël et États-Unis se sont transformées en un imbroglio sans précédent. On a commencé finalement à dépeindre Amin Dada comme un criminel, ce que nous tous on savait. On a commencé à le dépeindre comme un idiot, ce dont je peux douter. On a commencé à le définir sous tous les traits les plus grossiers, les plus réducteurs. Que s'est-il réellement passé? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Amin Dada, à partir d'un moment, a été dépeint sur tous les mauvais traits qu'il puisse imaginer. La question, c'est pourquoi? Alors, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre, il y a beaucoup de motifs. Mais je vais quand même vous faire ressortir les motifs les plus tangibles. En août 1972, Amin Dada est en visite dans une région du pays et il fait un discours où il dit que dans un rêve, Allah, comme il était musulman, lui aurait dit qu'il fallait expulser les étrangers, notamment les Asiatiques, les Indiens, mais il y avait également les Pakistanais du pays parce que ces personnes-là s'accaparaient l'économie et empêchaient les Ougandais de participer à l'économie. De ce fait, il a expulsé 50 000 personnes. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est la version que vous retrouverez dans tous les médias, partout. Ça sera dit comme ça. Mais il faut se poser. Amin Dada n'était pas quelqu'un qui avait du tact. Amin Dada n'était pas quelqu'un qui... qu'on pouvait défendre en termes de diplomatie. Mais est-ce que Amin Dada était idiot au point de chasser des Indiens sur un coup de tête ou sur un simple rêve? Analysons un peu. Le problème, c'est que Amin Dada n'a pas expulsé les Indiens sur un coup de tête. Il y a un antécédent. Je vous ai expliqué ici le contexte. On est arrivé, on a donné l'économie, le commerce aux Indiens. Ce système est resté tel. Les Indiens contrôlaient le commerce au détriment des Ougandais. Je ne valide pas l'action d'Amin Dada. Attention, je veux juste que vous avez toute l'histoire, tout le contexte, et vous pourrez vous-même décider si l'action est bonne ou pas. Vous me le direz en commentaire. Ce qui se passe, c'est que ces Indiens-là contrôlent le commerce extérieur et intérieur, si je peux m'exprimer ainsi. Jusque-là, pas de problème. Le problème est le suivant. C'est que Amin Dada a dit à ces Indiens, dans un contexte international assez conflictuel, il leur a dit, il faudra qu'ils abandonnent leur passeport britannique, sinon ils seront expulsés. Parce que la plupart d'entre eux étaient de nationalité britannique. Il n'y avait pas que 50 000 Indiens sur le territoire, hein. Il y avait pratiquement 80 000. Par son décret du 9 août 1972, le général Amin a donné 90 jours aux Asiatiques non-ougandais d'origine indienne, pakistanaise et Bangladesh pour quitter le pays. Parmi les 80 000 Asiatiques en Ouganda, 20 000 ont choisi et obtenu la nationalité ougandaise. Ok. 50 000 d'entre eux ont refusé de laisser le passeport britannique. Ils sont donc retournés en Grande-Bretagne, pour la plupart. Ok. Premier point. Ça me pose un problème, mais ce n'est pas suffisant pour expulser quelqu'un. Ça, on est d'accord. Second point, c'est que Amin Dada a fait un constat qui était réel par contre. Les Indiens se sont contrôlés l'économie. Du coup, ils décidaient du choix, du montant, du cours, des prix qui étaient pratiqués. On pouvait avoir un prix de 1 $ aujourd'hui et 4 $ demain. Et ils empêchaient les Ougandais d'accéder à certains secteurs d'activité parce qu'ils avaient un certain monopole sur ça. Et ils nourrissaient un complexe de supériorité vis-à-vis des Ougandais. Ce qui est réel. Ce n'est pas méchant. Il faut comprendre le contexte social de ces Indiens-là. Vous êtes censé savoir qu'en Inde, ce qui régit la société, c'est les castes. Les castes inférieures ne se mélangent pas avec les castes supérieures. La majorité des Indiens qui ont débarqué en Ouganda étaient de castes inférieures. Donc quand ils arrivent en Ouganda, ils ont grandi dans un contexte de caste. Dans leur entendement, les Africains, les Ougandais en l'occurrence, étaient potentiellement une caste inférieure à eux, qui ne veut pas se mélanger, pourquoi pas, qui ne veut pas leur permettre d'accéder à certains secteurs d'activité, pourquoi pas. Mais Amin Dada ne voulait pas dealer avec ça. C'est tout à son honneur. Soutenus par les Britanniques, les Indiens deviennent à la fois les intermédiaires entre les Blancs et les Noirs et les instruments de la colonisation. Aujourd'hui, les Africains ne l'ont pas oublié. He says that on his opinion, l'opinion de mon père est que lorsque les Indiens sont venus il y a longtemps en Ouganda, ils n'ont pas cherché à devenir nos amis, mais ils ont fait de nous leur vache à lait. C'était le terrain idéal pour sucer notre argent avec leurs pipettes. Ils faisaient des affaires avec des prix exagérés pour extorquer l'argent de la population. Et cet argent, ils le sortaient du pays. Mon père ajoute que si le gouvernement expulse ces gens, il ne l'en blâmera pas. Les Africains reprochent aux Asiatiques de ne vivre qu'entre eux, pour eux, de les mépriser en étalant leur supériorité, d'avoir leurs propres écoles et d'envoyer leurs enfants dans des universités à l'étranger. Exemple frappant, en 70 ans, seulement 6 Indiennes ont épousé un Africain. Et quelles sont les raisons profondes de l'exclusion sociale des Asiatiques? Pourquoi en Ouganda, tant d'Asiatiques ont-ils choisi la nationalité britannique à la veille de l'indépendance? L'attitude de ceux qui l'ont fait semble plutôt opportuniste. On s'est fait naturaliser non pas par amour d'un pays, mais comme on contracte une police d'assurance. De nombreux Asiatiques ont considéré qu'ils avaient 3 polices d'assurance. Ils pouvaient soit devenir britanniques, soit ougandais, soit retourner dans le sous-continent indien. Beaucoup ont estimé que le parapluie de la protection britannique était la meilleure assurance. Ils pouvaient vivre en Afrique orientale tout en jouissant de cette protection. Très peu ont songé à s'établir en Grande-Bretagne. Non, ils ont supposé que le simple fait d'être citoyens britanniques leur donnerait en Afrique orientale assez de sécurité pour continuer à vivre comme auparavant. Ils ont parié et ils ont perdu. Après, est-ce qu'il faut les expulser? Je ne pense pas. Mais je voulais quand même vous expliquer tout ce contexte-là pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est très facile de dire, Amin Dada est arrivé, il a chassé les Indiens. En plus, il y a un gros mensonge qu'on raconte, c'est qu'à peine il a chassé les Indiens, l'économie de l'Ouganda est partie en cacahuète. Waouh! Respectez l'intelligence des gens. Prenez le PIB par habitant des Ougandais. Entre 1972, l'année où ils ont été expulsés, et 1980. Vous verrez que le PIB par habitant des Ougandais chute seulement au soir des années 70, à la période où il y a eu la crise, les grosses guerres qui sont survenues au sein du pays. Et non pas parce que les Ougandais étaient trop incompétents. Parce que la vérité, c'est que Amin Dada a pris sa société et il les a cédés à des Ougandais. Des Ougandais qui n'ont jamais été formés à ça, des Ougandais qui n'ont jamais eu le contrôle sur le commerce. On ne s'improvise pas en commerçant. Bien évidemment que l'économie s'est cassée la gueule. Mais de là à dire que le pays est parti dans une dérive incroyable, ça c'est ce qu'on vous raconte. Parlons chiffres, parlons vrai. Je vous mets le PIB à l'écran. C'est ça la vraie réalité. En fait, on s'est évertué à manipuler les gens pour faire croire X ou Y situation. Pire, c'est qu'en 2008, ces Indiens sont revenus en gros contingent sur le territoire ougandais. Je parle de 2008. En 2008 et 1972, il y a combien d'années? Il y a pratiquement 30 ans. Okay? Donc vous comprenez que ce ne sont pas les Indiens qui avaient été expulsés majoritairement à cette période qui sont revenus, ce sont leurs enfants. Est-ce que vous pensez pertinemment que vous avez été matrixé dans un pays, vous pourrez dire à votre enfant, retourne là-bas? Et allez voir dans tous les documents, sur Internet, sur Google, partout, vous verrez que les Indiens occupent une grosse place aujourd'hui en Ouganda. À telle enseigne qu'ils demandent à avoir des sièges au Parlement. Je ne suis pas en train de raconter les histoires qui viennent de mon cerveau, je vous mets un extrait. Le vice-président ougandais y assiste également. Cela montre les relations cordiales qui existent entre l'Ouganda, la communauté indienne et le gouvernement indien. Le fait qu'ils sont prêts à prendre part à nos célébrations, tout comme nous sommes prêts à participer aux leurs. 30% de cette communauté possède la nationalité ougandaise. Elle demande aujourd'hui à acquérir le statut de 57e ethnie du pays afin d'être représenté au Parlement. Moi, je veux bien qu'on critique ce qu'Amin Dada a fait, parce que c'est pas bien. On n'exclut pas les gens comme ça. Mais je ne veux pas qu'on raconte des bobards en faisant croire que les Indiens auraient été expulsés parce qu'ils auraient réussi et que les Ougandais étaient jaloux et que les Ougandais étaient incompétents. Non, c'est un postulat mensonger qui a été inventé pour toujours avoir cette posture-là de gentil dans l'histoire. Parce que les Indiens se faisaient persécuter depuis les Milton Obote. Les Israéliens et les Britanniques n'ont rien fait. OK? Et là, ils vont nous faire croire qu'ils ont commencé à agir là pour défendre les malheureux Indiens qui étaient maltraités. Non, l'histoire est tout autre. L'histoire est tout autre. OK? Bon, vous êtes habitués, hein? Je pense que c'est les petites précisions que je fais souvent quand je me rends compte au montage. Alors, c'est vrai qu'il faut nuancer le propos. Les Indiens ont également été victimes de discrimination dans le secteur de l'emploi. Et il y a également d'autres facteurs qui auraient pu expliquer potentiellement les raisons pour lesquelles le divorce a été consommé entre Amin Dada et les Occidentaux. J'ai cité certaines dans la vidéo, mais je vais citer une autre ici. C'est qu'il fut une année où il y a un Britannique qui vivait en Ouganda, qui a écrit un livre sur Amin Dada. Il a appelé le livre « Le tyran du village ». Amin Dada n'a pas aimé, il l'a condamné à mort. Bon, après, le Britannique a été libéré après des excuses du secrétaire des Affaires étrangères britannique. Il y a également le fait que Amin Dada, lors d'une festivité, se soit fait porter par des diplomates et des hommes d'affaires occidentaux. Il faut comprendre qu'on est dans les années 70. L'imaginaire de la suprématie blanche est très forte, donc on voit un noir se faire porter. Ce sont des images qui ne plaisent pas du tout. En plus de cela, Amin Dada était fermement opposé au régime apartheid d'Afrique du Sud. On a une période où l'apartheid bat son plein en Afrique du Sud. Amin Dada était quand même le président de l'OIA. Donc à chaque fois qu'il prenait la parole, il condamnait fortement. Donc il faut comprendre que en 1974, quand le documentaire de Barbie Schroeder sort et qu'on voit Amin Dada sous ses facettes les plus caricatural quand le film Le Dernier Roi d'Écosse sort. Ces gens-là apprécient beaucoup parce que c'est une façon pour eux de prouver que les Noirs, une fois qu'on leur donne le pays pour diriger, ne sont bons qu'à tuer, qu'à pratiquer la dictature, toutes sortes de digressions, on va dire. Donc, derrière toutes ces procédures, il y a une manœuvre raciste qui est dissimulée. Donc, je vais faire quand même ces dernières petites précisions-là. Et vous verrez dans la suite également qu'Amin Dada aura des points avec Israël. Et il va également souvent faire des interviews où il expliquera comment il va faire une intervention militaire pour reprendre le plateau du Golan. Donc, plein de petites choses comme ça qui vont potentiellement pousser les Occidentaux à le lâcher. C'est une précision que je voulais faire. Bon visionnage, abonnez-vous, mettez les commentaires, abonnez-vous. Ça, c'est un fait parmi tant d'autres. Bien évidemment, il y a des bruits de couloir qui disent qu'Amin Dada serait tombé amoureux d'une Indienne et que, étant donné que la famille ne voulait pas qu'elle se marie avec lui, ils ont fait sortir la fille du pays, du coup, il a eu le seum et il a commencé à les expulser. Pourquoi pas? C'est tiré par les cheveux, mais connaissant le personnage, c'est fort possible. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Moi, je vous expose tout, vous en faites ce que vous voulez. Après, l'un des facteurs qui a fait que les relations Amin Dada et ses amis occidentaux se sont détériorées, c'est que le personnage était assez complexe à gérer. Il avait des sorties médiatiques, il avait des prises de parole assez compliquées à gérer, et il a même dit au président Julius Nyerere que si tu étais une femme, je t'aurais épousé. Ok. Il a eu des propos assez limites à l'encontre de nombreux officiels occidentaux. Bref, Amin Dada n'était pas une fusée intellectuellement, ça c'est sûr. Mais voilà, ça pose quand même un questionnement. D'autant plus que Amin Dada n'a pas fait que des mauvaises choses à la tête du pays. Je veux vraiment qu'on se pose et qu'on parle chiffres, qu'on parle concret. Vous pourrez aller vérifier sur Internet si c'est vrai ou faux. Vous pourrez aller demander des Ougandais si c'est vrai ou faux. Et vous diront objectivement ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a dépeint Amin Dada comme un assassin, ce qui est vrai. On a dépeint Amin Dada comme un homme qui a tué beaucoup de personnes entre 25 000 et 300 000 personnes. Depuis qu'on fait une estimation avec une palette aussi large. D'autant plus qu'ils savent très bien que quand on fait une estimation en disant que Amin Dada a tué entre 25 000 et 300 000 personnes, dans tous les médias, on mettra 300 000 personnes. Tous les youtubeurs qui font des... Bref, je t'ai pas dit ça. Mais c'est une estimation avec une trop large palette. Je rappelle que ça a été fait par des institutions internationales reconnues par la Croix-Rouge. Depuis quand tu fais une estimation entre 25 000 et 300 000 personnes, ça vous donne un peu ce à quoi on jouait. Parce que la vraie guerre, ce n'est pas les bombardements, ce n'est pas les armes. C'est la guerre de l'information. Amin Dada, pendant longtemps, tuait des gens. Il était dépeint comme un saint. Ces mêmes personnes, subitement qu'Amin Dada a commencé à s'éloigner d'eux, est devenu l'assassin, le criminel et l'idiot. Est-ce que vous croyez que ces personnes sont légitimes? Parce que ces mêmes personnes se sont abstenues de dire au monde entier qu'Amin Dada était un criminel. Mais bref, attendons-nous si c'est que Amin Dada a fait à la tête du pouvoir. On verra si c'est vraiment un idiot, un laisser-aller, comme on le dit. Avant de commencer, je tiens quand même à vous préciser une chose. Avant l'arrivée de Yoweri Museveni, l'actuel président, la plupart des infrastructures existantes sur le territoire ougandais ont été construites sous l'ère d'Amin Dada. Je ne discute pas, je vous le dis. Première fois en date, le très célèbre centre de conférence internationale de l'hôtel Serena a été construit par Amin Dada. C'est un joyau architectural qui a servi à abriter le 13e congrès de l'OIA. Je rappelle qu'Amin Dada était à la tête de l'OIA, donc il a construit cet hôtel-là, ce centre de conférence-là, qui a abrité de nombreux sommets. La rumeur dit qu'il utilisait cet endroit également pour effectuer certains actes assez discutables. Quoi qu'il en soit, on est en train de faire ici un petit récap de ce qu'il a fait. La première compagnie aérienne du pays, Uganda Airlines, a été créée sous l'ère Amin Dada. Cette compagnie faisait des vols internationaux en dehors du continent africain. Francfort, des pays d'Asie, des pays du Moyen-Orient. Amin Dada, c'est lui. L'aéroport d'Entebbe a été rénové sous Amin Dada. La piste d'atterrissage supplémentaire a été faite par Amin Dada. Je rappelle également qu'on dit souvent que Amin Dada est parti du pays en laissant une économie aux abois, notamment le secteur du café. Durant tout le règne d'Amin Dada, le secteur du café est resté constant. Sauf qu'en 1978, il y a eu une crise mondiale concernant le café qui a touché tous les pays, dont l'Ouganda. Donc ça fait quand même beaucoup pour un idiot Je trouve que pour un idiot, il s'en est bien sorti. Mais ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Grâce à Amin Dada, l'Ouganda a eu sa station satellite terrestre, la station satellite terrestre de Mpoma. Sans cette station, l'Ouganda serait dépendant du Kenya. Je rappelle quand même qu'à cette époque, les pays africains qui avaient une station satellite terrestre dans la sous-région, il n'y en avait pas beaucoup. L'idiot a réussi à en créer une pour son pays. Amin Dada a effectué de nombreuses actions pour moderniser ses chemins de fer. Amin Dada a également modernisé et augmenté l'ampleur de l'armée ougandaise. À des mauvaises fins, certes, mais il l'a fait. Ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas qu'Amin Dada était un gentil, ce n'est pas qu'Amin Dada était un bon président. Je suis en train de vous dire qu'Amin Dada était un criminel, était un assassin qui a été formé, qui a agi pour le compte des Britanniques, qui a été protégé quand il tuait, mais Amin Dada n'a jamais été condamné parce que les gens le protégeaient. Finalement, quand ils ne faisaient plus leur affaire, Amin Dada était finalement dépeint comme un criminel, ce qui est vrai, comme un idiot, ce dont je doute, parce que pour un idiot, il a fait beaucoup de choses, et pour un idiot, il s'est assez bien foutu de la gueule. Parce que Amin Dada a été mis au pouvoir parce qu'on pensait qu'il était malléable. Finalement, il s'est avéré être pas très malléable. Finalement, c'est lui qui s'est servi d'eux. Pourquoi je dis ça? Parce que le vrai problème, tout ce que je vous ai dit comme raison, les Indiens, le fait qu'ils soient pas, qu'ils manquent de tact, ce sont des raisons de surface. La vraie raison, le vrai problème qui a à l'origine des conflits entre Amin Dada et tous ces autres-là, c'est comme l'histoire de pratiquement tous les présidents africains. Amin Dada a osé fricoter avec Kadhafi. L'histoire vous prouvera que tous les présidents africains qui ont osé fricoter avec Kadhafi ont connu une fin très compliquée. Tambalba a été assassiné, Bokassa a chuté, Amin Dada a commencé à fricoter avec Kadhafi parce qu'il prenait l'argent où il pouvait en avoir. Kadhafi était prêt à donner à n'importe qui. En plus, Kadhafi avait une certaine facilité à créer des accointances avec des pays, avec des présidents qui étaient censés être musulmans. Et ça, ça déplaisait au plus haut point. Ça déplaisait aux Américains, ça déplaisait aux Israéliens parce que Kadhafi nourrissait une haine viscérale vis-à-vis d'Israël. Dès cet instant, il fallait se débarrasser de Amin Dada. Donc, les Israéliens et les Américains vont mettre en place la fameuse technique des 3 plans d'action. Si vous avez suivi la vidéo de Haïti, la seconde vidéo, je vous ai montré un peu comment ces impérialistes-là mettent en place un champ d'outils qui se déploie en 3 étapes. Et chaque étape est importante pour l'étape suivante. La première étape, quand on a un président qui n'est pas complaisant et qu'on veut l'écarter, généralement leur groupe, ils ont une technique très simple. La première technique, ils attaquent l'économie. Ils vont donc priver ce pays d'aide, ils vont donc le mettre sous embargo, ils vont saboter son économie pour que le président se retrouve dans une situation économique très compliquée, pour que le peuple se dise exacerbé, pour que le peuple se rébelle. Quand ça ne marche pas, ils commencent le second plan. Le second plan, c'est l'information. Ils vont truquer l'information, de telle sorte que, dans cette information, on puisse dépeindre ce président comme un démon, comme un incapable, comme un con, comme une personne qui est le diable incarné, afin que le peuple se dise, lui, il ne mérite pas d'être président, afin que les instances internationales le voient comme un démon. Mais cette deuxième étape est importante pour justifier la troisième étape. La troisième étape, c'est l'action militaire. Soit on agit directement, soit on finance des gens sur le territoire pour pouvoir renverser ce président. D'autant plus que la raison précédente légitime ça. Parce que c'est un démon, c'est un méchant, on doit l'enlever. On a dit qu'il avait la rage, on l'a fait passer pour un idiot. On a dit qu'il était un criminel, ce qui était vrai, ce qu'on a refusé de dire depuis bien longtemps. Vous comprenez? C'est très important. Donc dès cet instant, on a mis tous ces plans en marche. La première étape, on a coupé toutes les aides qu'on donnait à Amin Dada. On a mis toutes sortes de restrictions économiques sur lui. La deuxième étape, on a mis tout un champ d'informations fallacieuses à son encontre. Parce que les médias en continu que vous connaissez là sont très très forts dans ça. Hein. Les médias en continu, vous connaissez le concept, hein, je vous ai dit dans la vidéo de Kadhafi. Toute la journée, on fait des informations. Donc souvent, quand on n'a rien à dire, on invente des informations. Vous verrez une dame qui marche, son pied tape un caillou, elle tombe, on dit « Oups, allez, caillou islamiste ». C'est un foutoir monstre qu'ils vont organiser pour décrédibiliser un président, pour vraiment le montrer sous ses traits les plus sombres. Mais le problème, c'est qu'avec Amin Dada, ils n'ont même pas eu besoin d'avoir tous ces actes, d'atteindre le troisième niveau. Parce qu'Amin Dada, en termes de diplomatie, en termes de tact, c'était pas une fusée intellectuellement. Il faisait des actes de façon impulsive et ça lui a créé beaucoup de problèmes. Le premier fait en date, ce sont les événements d'Entebbe. Le 27 juillet 1976, le vol 139 d'Air France reliant Tel Aviv à Paris est détourné après une escale à Athènes vers la Libye. L'avion se pose ensuite à l'aéroport international ougandais d'Entebbe, situé à 32 km au sud de Kampala. Les preneurs d'otages demandent la libération de 53 prisonniers palestiniens en échange des 256 passagers à bord. Bon, il n'y avait pas que 256 passagers, il y avait également l'équipage. Donc vous comprenez que ces terroristes-là vont finalement atterrir sur l'aéroport d'Entebbe. Amin Dada s'affirme aux yeux du monde comme un négociateur hors pair, le gentil. Tout le monde se dit, oh, Amin Dada est gentil finalement. Il commence les négociations, des passagers sont libérés. Mais au fil du temps, les services secrets israéliens, en tout cas de la version officielle, hein, les services secrets israéliens occidentaux se rendent compte que Amin Dada était de mèche avec ces terroristes. Il n'a pas forcément fomenté l'attentat, mais il n'était pas hostile à ces derniers. Ils vont donc organiser une opération militaire qui permettra de libérer des soldats israéliens. Vous savez que l'armée israélienne, voilà, c'est du haut niveau. Ils vont donc débarquer et ils vont réussir à libérer un tas d'otages. 3 ou 4 vont mourir. Les soldats ougandais seront assassinés. Un avion ougandais sera touché. Bref, cette situation va affaiblir Amin Dada au plus haut point. D'autant plus que ça va donner des idées à d'autres fractions armées au sein du pays de se rébeller, de commencer à vraiment mettre à mal, mettre en exergue ses velléités. Amin Dada sera vraiment déstabilisé par tout ça. Il va faire exécuter certains militaires qu'il a estimé être incompétents. Il va également assassiner un homme, Djanani Lumu, qui était l'archevêque de la ville de Kampala, parce qu'il estimait que ce monsieur était hostile à lui, on va dire. Mais cela vous montre un peu la situation dans laquelle Amin Dada était. Il était affaibli. Et au soir des années 78, il y a eu une révolte d'un des régions du pays qui a abouti. Et en octobre 1978, il y a eu une mutinerie au sud-ouest du pays, si je ne me trompe pas. Et ces militaires-là vont se réfugier en Tanzanie. Amin Dada va donc lancer une expédition pour annexer la région avec l'aide de 3000 soldats libyens. Mais à peine 3 mois plus tard, ça sera le retour du bâton, très méchant. Julius Nyerere, le président tanzanien, va lancer une contre-offensive avec des rebelles ougandais, avec également des soldats rwandais. Et ils vont arriver à Kampala. Amin Dada va s'enfuir. Il va arriver en Libye. Après, il sera accueilli en Arabie Saoudite où il va élire domicile, où il sera exilé. On va lui mettre à disposition une petite maison, un petit personnel. Il va mourir en Arabie Saoudite. Mais c'est comme ça que le président tanzanien, Julius Nyerere, va pouvoir contre-attaquer et renverser Amin Dada en 1979. On remarque que la fin est un peu bâclée. C'est fait exprès. Parce que je vous avais promis la vidéo sur Amin Dada. Mais très sincèrement, je vais faire plus. Je vais vous faire une seconde vidéo qui ne sera pas très longue, mais une seconde vidéo qui est très importante sur la fin d'Amin Dada, mais aussi également l'avènement de nouveaux. Ce seront des assassins, mais purs, durs. Pire, c'est que ça vous permet de comprendre un peu une partie de la crise qui se passe au Soudan et une partie de la crise qui se passe en RDC. Je ne vais pas donner de date pour la vidéo, parce que si je dis mardi, mercredi, vous direz ah oui, non. Je prends le temps de faire les choses correctement, je vous publie ça. La vidéo du Cameroun sera la semaine prochaine, parce que là, j'ai pas encore fini le second livre que j'ai commencé. Je vais prendre le temps de bien faire les choses, parce que si je m'amuse à me tromper là-bas, les caméras vont me faire planter les choux, ils vont me dire, gars, tu es un nangaboko. Donc, je vais prendre le temps de bien faire les choses, je publierai tout ça. Je tiens également à vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que l'équipe s'est étoffée. Depuis peu, je suis rentré en compte. Enfin, il y a un abonné qui a des bonnes compétences en termes de marketing digital, de community manager et tout ça. Parce que je me suis fait une autocritique où vous-même m'avez écrit sur Instagram qui me dit que mon Instagram ne reflète pas assez mon YouTube et tout. Et donc, ce jeune homme-là, un jeune Gabonais, très talentueux, je vais d'ailleurs vous parler de lui dans la prochaine vidéo, très talentueux, a mis tout en place tout un tas de procédures pour vraiment réveiller la page Instagram, pour en faire vraiment un média sérieux. Je vais archiver toutes mes photos. De toute façon, je reflète toutes mes photos, hein. J'ai pris 60 kilos depuis, donc voilà. On va archiver tout ça. On va faire de Mister Aress un vrai média. Vous pourrez retrouver de l'actualité. Vous pourrez retrouver des réels, des vidéos un peu plus condensées. Vous pourrez retrouver une interaction. On fera souvent des lives. Donc, franchement, n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner sur Mister Aress. Bientôt, je vais vous présenter ce jeune homme. Il est très talentueux. Franchement, quand il m'a présenté le projet, je me suis dit, ouais, le gars là, le petit, il est bon. Donc, on est en train vraiment de travailler à ce que vous ayez du contenu de qualité, autant sur YouTube que sur Instagram. Comme ça, vous pourrez tout le temps avoir les dimanches des vidéos assez poussées, assez détaillées. Toute la semaine, du contenu sur Instagram qui rappelle YouTube, mais avec également des contenus qui ne sont pas forcément présentés sur la chaîne YouTube. Et je précise également que le podcast, j'ai avancé sur 3 épisodes que je vais préparer, je vais tourner, je vais monter. Je vais les publier dans la partie subscription et seront publiés ici, on va dire le 20, le 25, on va dire. Mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je ne le dis pas assez dans les vidéos, mais ce n'est pas normal que vous regardiez les vidéos tant que vous ne vous abonniez pas. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est quoi votre problème même? Abonnez-vous, likez, commentez, c'est quoi même? Vous avez quoi? Vous avez quel problème? Hein? Hein? Il est 4 h du matin, je suis en train de tourner, je donne toute mon énergie, vous ne... Hein? Je vais débarquer sur chacun d'entre vous, et puis il y aura la bagarre, ok? Non, plus sérieusement, abonnez-vous, likez, partagez. Je suis très content que ce jeune homme-là rejoigne l'équipe. J'ai eu plusieurs propositions de monteurs, de tout. Mais le but n'est pas d'étoffer pour étoffer. Le but est vraiment de s'entourer des gens qui vont apporter une plus-value. Dans le contexte, dans mon workflow actuel, s'il y a un point où je suis vraiment à mal, c'est ça. Parce que je n'ai pas le temps de faire ça. Pour le montage, c'est un peu plus compliqué parce que, vous voyez, on est samedi, je tourne ma vidéo, la vidéo doit être publiée dimanche. Ce sera compliqué pour moi de trouver un monteur qui soit disponible à 4 h du matin pour pouvoir monter la vidéo pour qu'elle soit dimanche. Vous voyez? Et même pour le podcast, ça demande... J'avais prévu de donner de déléguer, mais c'est compliqué parce que même en termes de montage, il faut aller chercher des ressources, il faut aller chercher des liens, c'est très compliqué. Et j'aime faire des choses vraiment de façon poussée. D'autant plus que souvent, je tourne de façon intuitive et c'est au montage que je me rends compte de coquilles, donc que je fais. Donc c'est plus facile pour moi. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est compliqué pour moi de prendre un autre monteur. Vous voyez? C'est pour ça que je continue comme ça. Mais en tout cas, ce jeune homme va apporter une grosse plus-value, une grosse plus-value. On va vraiment monter les choses comme il se doit. On va vraiment faire un vrai média pour qu'on puisse avoir du contenu de qualité. On est 50 000 aujourd'hui. Je ne dois plus m'amuser à vous proposer du contenu approximatif. C'est pour ça que souvent, on fait un dimanche sans vidéo parce que je ne veux plus faire des vidéos pour faire des vidéos. C'est impossible que je fasse des vidéos sans coquilles parce que je travaille seul. Il n'y a pas de... Donc, voilà. Mais je dois faire mon possible pour que vous ayez le sentiment que la vidéo qui est en face de vous, c'est de la qualité. Et je vous remercie parce que souvent, quand je fais des petites erreurs, vous venez me dire en commentaire, « Ah, voilà, voilà », avec beaucoup de bienveillance. Et je comprends que ici, c'est de l'entraide. Personne n'est supérieur à personne. Je vous apprends, vous m'apprenez. Et c'est ce que j'aime. Franchement, je remercie Dieu d'avoir cette communauté bienveillante qui soit toujours là. Abonnez-vous, partagez, likez. Je vous prépare la seconde partie qui ne sera pas trop longue. Hein. Peut-être 15-20 minutes. Bon, j'ai dit ça souvent, je fais 45 minutes. 15-20 minutes, je fais un petit truc qui sera très important pour comprendre les prochaines vidéos. Donc, après ça, on fait le Cameroun. On aura fini avec l'Afrique centrale pour un moment. L'Afrique de l'Est aussi pour un moment. On ira faire l'Afrique de l'Ouest. Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire. On va faire un peu de Guinée-Bissau. On va aller un peu en Somalie. On va aller un peu au Soudan. On va revenir un peu vers l'Afrique du Sud. Ne vous inquiétez pas, on va faire les choses. Malembe, Malembe, hein? Ne vous énervez pas. Mais pour l'année, Malembe, ok? Prenez soin de vous. Moi, je vous aime beaucoup, beaucoup. Je suis très content de vous retrouver parce que la dernière fois, j'avais une tête éclatée au sol. J'étais fatigué. Là, j'y pète la forme, hein? Je pète la forme. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Hein? Ndoki,